papa pour l'enfant. Mais je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. Je crois que la joie du Seigneur est en chacun de nous ce soir. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse de chacun de nous. Personne n'est comme Jésus-Christ. Amen. Personne n'est comme notre Seigneur Jésus. Les sœurs qui nous a aimés et qui nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et il nous a donné la victoire pour toujours. La victoire sur le monde des ténèbres. La victoire sur la vie du péché. La victoire sur la mort. C'est pourquoi nous lui sommes très reconnaissants. Nous nous efforçons toujours à lui rendre un culte qui lui est agréable. Amen. Nous acclamons encore Jésus-Christ. La requête de prier pour tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. De témoigner la grandeur de Dieu en vertu de tout ce qu'il a fait pour toi. Parce que David aussi disait: mon cœur n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Tu ne dois pas oublier les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu ne dois jamais les oublier, frère. C'est en les témoignant que tu arriveras aussi à vaincre les épreuves qui sont devant toi. Parce que David, devant Goliath, il a dit à Saul: le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours. Parce que vous voyez le micro qui ne fonctionne pas bien, donc c'est vous arranger directement. Frère, viens arranger le micro. Amen. C'était seulement les caprices de la technique. Je disais qu'il faut témoigner ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est alors que tu arriveras aussi à vaincre les combats à venir de ta vie. Parce que David, devant Goliath, il a dit à Saul: délivré de la patte de l'ours. Dès qu'il m'a délivré de la gueule de lion, mais il donnera aussi la victoire devant cette circoncis. Il faut t'en
témoigner cela dans ta vie. Et Seigneur, il faut t'être la bonne la bonne Dieu qui t'a guéri de toutes tes maladies. Il t'a délivré aussi de toutes les maladies qui pourraient dans ta vie. Les Dieu qui t'a donné raison là où les gens jetaient de l'ombre. Il faut croire que lorsque la confusion viendra, lorsque la honte pourrait venir dans ta vie, ce Dieu-là va te justifier parce qu'il a déjà témoigné en faveur dans les fois passées. Et il le fera encore davantage. Et les sorciers, les marabouts, les féticheurs, rien contre toi. David disait, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël les dise. Israël va le bongo. L'Éternel. Et nous avait protégé. Qui nous avait protégé? Si l'Éternel n'était pas là, si l'Éternel n'était pas là, qui nous avait protégé? Il dit qu'Israël le dise. Israël va toujours témoigner cela. Israël et Seigneur va tout sans l'Éternel. Personne ne les aurait protégés. Et hommes se lèvent contre nous. Il nous donne des pièges par-ci, par-là. Il nous traque.
bato, sont indécis, ils bougent à tout moment. Bato, les hommes sont infidèles par nature. Bato, si vous regardez que la fidélité des hommes, le Seigneur nous aurait laissé il y a longtemps. Si cela ne comptait que sur notre justice, le Seigneur nous aurait déjà abandonné il y a très longtemps, frère. Mais il le fait pour l'amour de lui-même. Qui aujourd'hui peut vous aimer et t'aimer et te rejeter. Mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Si le Seigneur t'aime, c'est pour toujours. Si tu joues, il te donne la sanction. Donc, il va vraiment te faire souffrir. Il va vraiment te faire souffrir. Il ne va pas te rejeter. Ce sera toujours dans le but qu'il puisse te ramener sur le chemin. C'est ce que nous dit Michel chapitre 7. Parce que l'amour du Seigneur est insondable, frère. Michel chapitre 7. C'est insondable. Michel chapitre 7. Michel chapitre 7, le verset 7. Ceci. On dit pour moi. Les micros, frère. Quand les micros dérangent comme ça. Il n'y a pas d'autre micro pour ça. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mais écoute ceci. Ne joue pas à mon sujet. Oh toi mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause, m'efface droit. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue de rue. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront réculées. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ici lui-même dit, même si j'ai péché, et que le Seigneur vienne à me punir. Et que le Seigneur vienne à me punir. Je vais porter la sanction de l'Éternel. Parce que j'ai péché. Amen. Je vais supporter la sanction. Non, je veux supporter
parce que j'ai péché. Même si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. C'est ça l'espérance de l'enfant de Dieu. Il dit, mais après cela, l'Éternel viendra me faire droit. L'Éternel viendra me faire justice. Et mon ennemi verra cela. Mon ennemi qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mais lui, mon ennemi, lorsque Dieu viendra me faire justice, lui sera foulé aux pieds. Et dans ce jour-là, on dit, lorsqu'on rebâtira tes murs, cela veut dire qu'il y a une rédemption qui s'est passée. Toi dites,
dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Nous nous rasseyons. Hébreux 1, 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, rendons, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ses Écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ses Écritures. On parle toujours sur la pierre à sept yeux. Et la foi. Ah, et on était arrivé sur la piété. On avait dit que c'est le respect des choses sacrées. Amen. Ah. C'est le respect des choses sacrées. Le respect des pratiques de la religion. C'est un œil aussi de la foi. Et qui doit être en abondance dans ta vie. Amen. Ah. Si tu n'as pas ça, Dieu aussi a vu. C'est pourquoi on avait dit les fois passées. Dans les fois passées, que nous devons nous efforcer à avoir la piété. Et le respect des choses spirituelles. On avait dit ceci. C'est en contrepartie de l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous. Comme le Seigneur nous a délivrés, nous a affranchis, nous a donné la parole éternelle, nous a donné la vie éternelle, nous aussi, nous devons montrer notre reconnaissance à l'égard de ces dieux-là. Comment? En manifestant la piété, le respect des choses spirituelles. Pourquoi? Pourquoi? Si nous ne les faisons pas, lui il est aussi un feu dévorant qui va nous dévorer. C'est pourquoi on avait dit la première des choses sacrées, Amen. C'est d'abord la parole de Dieu. Je n'écoute pas bien mon interprète, ça me rabaisse. C'est d'abord la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est sacrée. J'avais parlé d'Ésaü ici. On ne doit pas être profane comme Ésaü. Celui qui manque la piété est appelé profane. Pour lui, les choses de Dieu c'est inutile, c'est sans importance. On avait dit Ésaü avait cette nature-là. Alors, comment cela s'était manifesté en lui? Il a rejeté les droits d'aînesse. Il a méprisé les droits d'aînesse. Il a échangé avec la nourriture. Hein? Il a échangé dans les dons de la nourriture. Et que lui puisse céder seulement les droits d'aînesse par la parole, je te les donne. Amen. Ah. On avait dit que les droits d'aînesse, c'est la parole aujourd'hui.
que nous avons en Jésus-Christ. On ne peut pas rejeter la grande foi que nous avons ici. Ou le grand salut que nous avons. À cause des choses périssables. À cause du monde. Parce que c'est ces trois aînés là qui plus tard va faire en sorte que qu'on puisse nous donner l'héritage du Père. Parce que sans l'héritage, sans les droits d'aînesse, personne ne va hériter. Dans la famille d'Abraham, pour hériter de Dieu, il faut avoir être les premiers nés. C'est pourquoi c'est Esaü comme premier né qui devait être béni. Esaü, mais il a rejeté les droits de Dieu. On l'a appelé profane. Mais nous, on nous dit de ne pas être comme Esaü. Si Paul vraiment prêche dans la doctrine, il ne prêche pas d'abord Esaü là comme Israël. Non. Il ne prêche pas d'abord Esaü comme Jésus-Christ. Non. Il prêche Esaü comme quelqu'un qui a méprisé les droits de l'aînesse. Ah, si, et Saul, le col à mon père, on a dit pas à nous, père, à Zolène, il s'appelle Bissot, et ne pas avoir l'attitude qu'avaient les frères Esaü. Et que tout le monde a posé la malonné, que Oyo ne pouvait pas être un homme. Et mépriser les droits de l'aînesse. Y'a comment la pâme à ma copine à mon père. C'est pourquoi on a lu. Y'a moi, tout à ma dit. Dans les livres, dans la lettre de Paul à titre. Y'a moi, tout à ma dit, mon canard, y'a Paul et Paul à titre. Il dit la grâce de Dieu. Alors, bien, t'es bon, du salut pour tous les hommes. Et dans l'intime, il y a le but qu'on peut la bâtonnance. Elle nous enseigne. Et donc, la vis à renoncer à l'impiété. Il y a qu'on peut y aposanga l'inénia, il y a ma camionnage. La grâce est un enseignant qui prêche les gens. Oui, à l'autre, à bateau. Avoir le respect des choses sacrées. Il y a qu'on a la l'inénia, il y a ma camionnage. Le Seigneur vient réaliser sa promesse. Et nous, dès que nous sommes là, nous devons montrer la piété à Dieu. Le Seigneur respect des choses sacrées. Cela veut dire tout ce que la parole nous demande de faire. Que tu sois frère. Que tu sois sœur, que tu sois fidèle ou ministre. Amen. Tu dois le faire. C'est ça la piété. Si on ne le fait pas, le Seigneur nous rejettera. C'est pourquoi on a dit en attendant que le Seigneur revienne. Non, on dit c'est dans la Bible. Vivons dans la piété, le respect des choses sacrées. On avait dit ceci, le culte aussi c'est sacré. Parce que le culte, frère, est célébré en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas célébré en l'honneur des hommes. Ce n'est pas célébré mariés. Mais le culte est célébré en l'honneur de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur délivre les gens de la captivité, délivre les gens de la servitude, la Bible dit dans l'Exode, c'est pour aller lui célébrer un culte dans le désert. Et le Seigneur a les regards sur ça. Nous aujourd'hui, nous ne devons pas mépriser le culte de Dieu.
l'avènement du Seigneur. Amen. Ah. Ta présence auprès du Seigneur. Et que vous allez ça doit être ta vie de tous les jours. Et Seigneur est là. Venir écouter la parole. Venir chanter. Prier. Offrir. Tout ça là. Et parce que Dieu a accompli dans ta vie l'œuvre du rachat. Et c'est ce qu'on appelle aussi la piété. Le respect des choses spirituelles. Et dans ta propre vie. Et dans la table la parce que ta vie aussi c'est un culte. Amen. Ton corps. La Bible dit. Le corps. Appartient au Seigneur. Et d'aligne ya Yahweh ton corps. Tu dois prendre aussi à respecter ton corps. Ton corps. Amen. Parce que le corps appartient au Seigneur. Respectez le corps. C'est rendre aussi un culte à Dieu. Tu ne peux pas être là. Mais tu vis dans des souillures. Tu vis dans la prostitution. Tu vis dans des impudicités. Tu suis ton corps. Sache que le Seigneur viendra t'infliger la sanction, frère. Parce que ton corps tel que ça est là. Le verset premier jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable à Dieu. Mais on appelle ça comment? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que le corps appartient au Seigneur. Lorsque tu le gardes pur. C'est un sacrifice, c'est un culte à rendre à Dieu. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc les corps aussi tel que ça est là. Les corps aussi appartiennent au Seigneur. Respectez ton propre corps. Non, respectez son propre corps. C'est rendre aussi culte à Dieu. C'est avoir la piété. Amen. Ah. C'est avoir la piété. Je vais d'abord parler sur le culte. Le culte, comme nous le faisons comme ça, pour aussi à préserver notre corps à nous dans la sanctification. Parce que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et savoir les garder,
C'est faire aussi un culte au Seigneur. Amen. Amen. Passer dans ce monde. Il n'y a que suivre. Alors. Pour te garder, pour te préserver, la piété. Amen. Amen. La piété. Amen. Et c'est ce que Dieu regarde le plus. Dans la vie des croyants. Dans toutes nos vies telles que nous sommes là. Gardez aussi son corps. C'est respecter aussi ce qu'on dit. Par rapport même à comment s'habiller. Ah, attaque, l'olengue ya kolata. Amen. Amen. La manière de parure, comme on le dit. Et que l'olengue ya komimo ni sapoye. Des ornements. Et que l'olengue ya komimo ni sapoye. Surtout pour les femmes. L'olengue ni pour la basse. Hein? Amen. Les ornements. Et que collègue, n'a pas de balan comme une bongi ça. Balan, ce sont les couleurs. Hein? Les ornements. Et que collègue, n'a commis bimisa pesa kozenga, ou n'a commis bimisa pesa. Otiaka, ou n'a pas ma tonne. Ah, c'est ça. Nous sommes nés de manière du monde. Et de Oleka, la commissaire, ton aïe, on va qui s'habille, on a le lega au kili. Ça, c'est aussi manquer de respect au corps. Wana et d'aliposa, la botosi, nanjo, ton aïe. On ne peut pas avoir des frères ou des soeurs qui ont des tatouages. Donc, on dit la cause à la bande de combat, c'est un image, on va dire la tatouage, comment, comment, avant, je t'en abango. Le corps appartient au Seigneur. Toto et d'ali en colo. Amen. Amen. Le corps, tel que ça est là, ne peut pas être troué comme n'importe quoi. Comme par exemple les ornements des femmes. Il y a quelqu'un qui m'avait dit. Dans la scène d'Alias aussi. On portait aussi les bijoux. Babanaï Kolata Mayaka. Je veux dire, même les hommes aussi mettaient des pantalons d'oreilles. Ah, la Yensaki, elle a la mutale, peut Babanaï Kolata, bilan à la tour. Que votre pasteur et ses garçons commencent d'abord par nous mettre des boucles d'oreilles. Et que, comme on a la pasteur, la bilan de la décomitage, Babanaï Kolata, la tour. Alors, on va permettre aussi, même aux soeurs, à tout le monde aussi, de mettre ça. Voilà, comme on peut s'en dire la paix, la bande de copains, c'est pas la triance, Babanaï Kolata, yango. Parce que dans l'ancienne alliance, on mettait ça. Ouais, t'es la voyant, t'as dit, la Babanaï Kolata, yango. Pasteur, yo pasteur, regardez des boucles d'oreilles. C'est ça la Bible. Il y a même des Bibles. Exode. Au canal là-bas, Exode 32. Au canal à Bobini, au Capona, tout comme ça, qu'il a mis balé. Supportez-nous parce que c'est l'enseignement. Il y a un piston plus qu'on peut être des amis, on a ici. Vous devrez connaître ces choses pour être bien positionné. Le Seigneur voyait pas ma caméra malam ou quoi que aucun à côté les malam. Les respects des choses spirituelles. Botosi ya biloko ya molimo. Les respects des pratiques de la religion. Et botosi ya ma cambo ya losambo. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut d'abord. Vous savez, voyez bien, quand Dieu veut habiter avec des gens, soldi zambe aligni kovanda na bato. Je dis quand, zambe aligni kovanda longo na bato. Il vient d'abord poser la doctrine. Aya kanano ya mokota moboko. Il ne vient pas directement avec des grandes choses déposées. Non, il vient d'abord poser le culte. Aya kanano na biloko mususu na moteka saya kanano na losa. Parce que c'est que lui puisse demeurer avec ces gens-là. Amen. C'est pourquoi il avait choisi des gens. Il les a appelés des apôtres. C'était pour établir les cultes de Dieu. Parce que sans culte, il n'y a Dieu ne peut pas habiter avec des gens. Vous savez, pour que l'iniquité puisse
en Israël. Qu'est-ce qu'on avait fait du temps d'Élie? C'est Moïse. Moïse, c'est toute
mais qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. De vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. J'étais alors dans la moule, dans un moule. Et fit un veau d'or en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici vraiment, on a montré même les hommes, même les femmes, et tous portaient ça dans leur corps. Mais comme on portait ça dans la séance aujourd'hui, on l'a fait à les mains. Non. Lorsque les apôtres ont voulu prêcher ces choses, ils n'ont pas pris ces écritures ici. C'est pourquoi il faut respecter la parole. Amen. Ah. Vous allez trouver des écritures, par exemple. On dit Déborah était juge. Et jugée en Israël. Là-bas, la montagne d'Ephraïm. Sous les palmiers. Entre Rama et Bethel. Directement, tu dis. Une femme aussi peut prêcher aujourd'hui. Non, frère. Tu lis dans la Bible. On dit Rachel était berger. Directement, tu dis une femme aussi gardait les troupeaux. Les troupeaux, c'est qui? Au-dessus des autres frères. Ils ont tous
sachez que Aaron souverain sacrificateur est Christ. Parce que c'est leur manière de voir qui prie. Et c'est eux qui ont établi les cultes. Dieu n'est pas. Il n'est pas là où les gens ne respectent pas le culte. Si nous disons que toutes ces personnes ici n'ont pas Dieu, ce n'est pas de notre propre chef.
un vieillard. Quelqu'un qui est là là-bas. Vous n'êtes pas enseigné de ces choses. Yahweh, sa mission, a poussé mon corps dans la sainteté.